laissez pas mourir comme un chien sur cette route. Ne me laissez pas mourir. Je me ferai moine. Je me ferai moine. Je me ferai moine. Je me donnerai à Dieu. Je me donnerai à Dieu. Je me donnerai à Dieu. Je me donnerai à toi. Je me donnerai à toi. Je me donnerai à toi. Laisse-moi la vie. Laisse-moi la vie. Laisse-moi rester en vie. Deus, qui humanae substantiae dignitatem mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti. Da nobis peruius atque et vini. Mysterio. Eius. Divinitatis. Esse consortes. Il s'en va. Restez pour le dîner, père. Ta première messe est du chien dans Franck. J'espérais que nous pourrions parler. Nous sommes privés pour que tu fasses ton droit, pour t'élever à une profession noble. Je transpire dans les mines pendant 20 ans pour te donner la chance que je n'ai jamais eue. C'est ainsi que tu interprètes le commandement? Tu honoreras ton père et ta mère? Dieu m'a amené ici. Dieu? Un malheureux éclair te brûle les fesses et tu appelles ça Dieu? Le diable, plutôt. Non, père! J'ai prétendu être... Jamais, jamais. Je confesse tout cela, je confesse tout cela. Laisse-moi, laisse-moi, s'il te plaît. Laisse-moi, laisse-moi. Tu es trop dur avec toi-même, frère Martin. Discuter avec le diable n'a jamais été bon pour personne. Il a 5000 ans de pratique. Il connaît toutes nos faiblesses. Je regrette pour aujourd'hui. Je ne suis pas là pour te gronder, Martin. Je suis encombré par trop de péchés pour être un prêtre. Tu sais, en 2 ans, tu n'as jamais rien confessé de vraiment intéressant. Je vis dans la terreur du jugement. Et tu crois que te haïr toi-même va te sauver? Avez-vous jamais osé imaginer que Dieu n'était pas juste? Il nous fait naître souillés par le péché. Puis il est en colère toute notre vie pour nos fautes. Ce juste et horrible jugement qui nous condamne tous. Qui nous menace des flammes de l'enfer. Je sais, c'est un péché de le penser. Ce n'est pas un péché. Tu es seulement malhonnête. Dieu n'est pas en colère contre toi. C'est toi qui es en colère contre lui. J'aimerais
qu'il n'y ait pas de Dieu. Martin, que cherches-tu? Un Dieu de miséricorde. Un Dieu que je puisse aimer. Un Dieu qui m'aime. Alors regarde vers le Christ, abandonne-toi au Christ, et tu connaîtras l'amour de Dieu. Dis-lui, je suis à toi, sauve-moi. 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 Les frères ne sont pas contents de votre décision. Ils pensent que d'autres auraient de meilleurs représentants pour délivrer vos lettres à Rome. Martin a deux diplômes et une aptitude au droit. Il portera des documents légaux. En outre, cela lui fera du bien d'être confronté au monde. Ça suffit, frère. Long ou court, tu auras tes 500 ans. Un instant. Assez, assez! Nom du défunt et parenté. Hendrik Luther. Grand-père. Un autre père à chaque marche. Quand tu seras en haut des marches, Hendrik sera libéré du purgatoire et il franchira les portes du ciel. Nom du défunt et parenté. Wolfram Eschwe. Un autre père à chaque marche. Quand tu seras en haut des marches, Wolfram sera libéré du purgatoire et franchira les portes du ciel. Thank you.
vos saints préférés, des chapelets du Liban, de l'eau bénite de la rivière du Jourdain. Statues et images de vos saints préférés. Et franchira les portes du ciel. Cela fait presque 2 semaines que tu es rentré de Rome. 2 semaines et quasiment pas un mot, même au confessionnal. En tant que ton père dans le Christ, je t'ordonne de parler. Rome est un cirque. Un vrai cloaque. On peut tout acheter, sexe, salut. Il y a des lupanards, rien que pour le clergé. Comme il y en a certainement à Leipzig. Une église a les pièces pour lesquelles Judas a vendu notre Seigneur. 100 ans de purgatoire en moins, chaque fois que vous en embrassez une. Et tu crois Rome unique pour de telles reliques ? Il y a des rumeurs sur le Saint-Père lui-même, qu'il est assoiffé de pouvoir. Allons dehors. On n'est pas bien ici ? Eh bien, ce sol, cette couleur, j'aime la couleur. Mais tu confrontes tes frères à un choix difficile. Soit ils apprennent à frotter comme toi, soit ils trouvent un moyen de rendre ton œuvre un peu moins brillante. Attention. Doucement, comme on trait une vache. Les anciens révéraient leurs abeilles. Elles avaient plus de valeur que leurs esclaves. As-tu déjà lu le Nouveau Testament, Martin ? Non, non, père. Peu l'ont lu. Mais tu le diras à Wittenberg. Wittenberg ? Un doctorat en théologie. Vous m'envoyez étudier ? Je t'envoie à la source. Les Écritures, le Christ lui-même. Je suis en train de perdre la foi. Je me sens idiot lorsque je prie et vous m'éloignez. Tu prêcheras. Je serai un imposteur qui prêche. On prêche mieux ce que l'on a le plus besoin d'apprendre. Ne m'éloignez pas de vous. Dieu t'a donné des dons pour une raison. À Wittenberg, tu pourras changer les esprits. Ouvrir des yeux. Et c'est ce que tu veux, n'est-ce pas ? Changer les choses. Bienvenue à Wittenberg, Père Martin. Je suis Ulrich Vander. Je vous aiderai dans votre paroisse. Günther et moi avons attrapé du poisson pour votre premier repas parmi nous. Vander, c'est un nom hollandais ? Je suis né à Utrecht. Nous arrêter pour Anna. Elle est un peu... Elle est la mère d'une enfant qu'elle cache dans la forêt. Un enfant qui vit dans la forêt ? Une enfant affirme. Si nous n'achetons pas le bois, la petite ne mange pas. Du bois, frère ? Un fagot entier ? Autant qu'on peut en acheter avec ceci. Voici notre nouveau prêtre, Père Martin. Bonjour, Anna. Merci, Anna. Bonjour, Otto. Voici notre nouveau prêtre, Père Martin. Père, je serai heureux de vous retrouver à la messe. Bonne chance, là-haut. Retourne travailler, Thomas. On dirait que j'ai la peste. Il pensait que vous veniez pour une collecte. Vous croyez que j'en voulais à leur argent ? Non, il pensait que le pape voulait leur argent. Chaque fois qu'il y a un nouveau prêtre, ils doivent payer Rome pour le privilège des sacrements. Nulla salus extra ecclesiam. Ce débat fait rage depuis plus de 1400 ans, depuis les débuts de l'Église. Mais le 5e concile de Latran a réaffirmé le célèbre principe de saint Cyprien. Nulla salus extra ecclesiam. Hors de l'Église romaine, point de salut. Professeur Karlstadt. Qu'en est-il des chrétiens grecs ? Les chrétiens grecs ? Eh bien, un ancien document de l'Église dit clairement qu'un évêque romain,
et non grec, fut le successeur de Saint-Pierre. Et bien sûr, c'est de Pierre que notre Seigneur a fait son représentant sur Terre. Alors nous devons considérer que les saints de l'Église grecque sont maudits? Vous êtes à côté de l'essentiel. Mais c'est l'inévitable conséquence du principe de Cyprien. Pour les chrétiens grecs, point de salut. Or, ce principe ne serait-il pas basé sur une lecture trop littérale de Matthieu, chapitre 16, verset 18 ? Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer. Et pourtant, deux lignes plus haut, verset 16, nous trouvons les fondations de notre foi. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Certainement, plus nous rendons cette parole universelle, plus nous nous approchons de l'idée du Christ. Vous remettez en question l'autorité du Concile ? Pas du tout. Toutefois, en 1215, le quatrième concile de Latran admettait que Cyprien pouvait se tromper et que le salut pouvait exister hors de l'Église. Quoique pas en dehors du Christ. Savait ce qu'il avait dans la tête. Que dit Dieu, mon père, pour le suicide? Je n'ai jamais, jamais dit que j'avais les réponses. Je te défie, diable! Espèce de salaud! Tu connais ton affaire, hein, toi, et tes mensonges puants! Faire honte à une mère! Lui dire de cacher son enfant infirme! Dire à un garçon de se tuer! Père Martin, le garçon est maudit, je n'ai pas le droit de faire ça! Les autres ne reposeront pas en paix avec lui ici! C'est une terre sainte, c'est un suicidé! Dis à Otto d'amener son fils! Dis-lui! Certains disent que d'après la justice de Dieu, ce garçon est maudit parce qu'il a pris sa propre vie. Moi je dis qu'il a été vaincu par le diable! Cet enfant doit-il être plus condamné pour le désespoir qui s'est emparé de lui que l'homme innocent qui est assassiné par un bandit dans les bois? Solvo peccatis tuis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Terrible, intransigeant. C'est comme ça que je voyais Dieu. Nous punissant dans cette vie, nous livrant au purgatoire après la mort, condamnant les pécheurs à brûler en enfer pour l'éternité. Mais j'avais tort. Ceux qui voient un Dieu en colère ne le voient pas en vérité, mais le voient à travers un rideau, comme si un sombre nuage d'orage avait été tiré devant son visage. Si nous croyons vraiment que le Christ est notre Sauveur, alors nous avons un Dieu d'amour. Et voir Dieu avec foi, c'est regarder son cœur bienveillant. Alors quand le diable vous jette vos péchés au visage et déclare que vous méritez la mort et l'enfer, dites-lui ceci. J'admets que je mérite la mort et l'enfer, et alors? Car je sais qu'il y en a un qui a souffert avec satisfaction pour moi. Son nom est Jésus-Christ, Fils de Dieu. Où il est aujourd'hui, j'y serai aussi.
Amen. Le prince Frédéric souhaite qu'il ne s'exprime plus. Tu aurais dû l'arrêter, Karlstadt, lui interdire. Lui interdire, Spalatin ? D'enseigner la théologie ? Il décrédibilise le prince. Allez, il n'y a pas d'enseignement clair sur les rues. Quand je suis devenu moine, je croyais que le capuchon de moine me rendrait saint. Quel idiot prétentieux. Maintenant, ils ont fait de moi un docteur en divinité et je suis tenté de croire que cette robe va me rendre sage. Eh bien, Dieu un jour a parlé par la bouche d'un âne et peut-être va-t-il le faire de nouveau. Mais je vais vous dire crûment ce que je pense. Qui d'entre vous est allé à Rome? Avez-vous acheté des indulgences? Non. Moi, si. Pour une pièce d'argent, j'ai libéré mon grand-père du purgatoire. Pour deux fois ça, j'aurais pu libérer mamie et oncle Marcus aussi. Mais je n'avais pas la somme, alors ils ont dû rester au chaud. Et pour moi, les prêtres m'ont assuré que rien qu'en regardant des reliques sacrées, je réduisais mon temps de purgatoire. Heureusement pour moi, Rome avait assez de clous de la Sainte Croix pour ferrer tous les chevaux de Saxe. Mais il y a des reliques ailleurs dans la chrétienté. 18 des 12 apôtres sont enterrés en Espagne. Et pourtant, ici, à Wittenberg, nous avons ce qui se fait de mieux. Du pain qui nous reste de la Seine, du lait du sein de la Vierge, une épine qui a percé le front du Christ sur le calvaire, et 19 000 autres morceaux d'eau sacrée, tous authentifiés comme de vraies reliques. Johann Tetzel, lui-même, inquisiteur de Pologne et de Saxe, vendeur d'indulgences extraordinaires, connaisseur en reliques, envie notre collection. Pour la posséder rien qu'une seule nuit, il abandonnerait spontanément 5 ans de sa vie terrestre, avec joie. Ou 500 ans de purgatoire. Et maintenant, bonnes gens de Wittenberg, le prince Frédéric de Saxe vous invite ici dans la cour de son château pour assister à une représentation des mystères sur un sujet des plus brûlants. Le jour du jugement dernier. Comme au bon vieux temps, Martin. Excellence. Secrétaire. Secrétaire du prince. Ces secrétaires-là ont pour habitude de devenir des excellences. Même quand nous étions étudiants en droit, tu avais des ambitions de grandeur, Spalatin. J'espérais que tu pourrais m'aider pour cela. Le prince Frédéric est excessivement fier de ses reliques. Alors je regrette qu'il n'ait pas entendu mon cours. Peut-être aurait-il changé d'avis. Il a passé 20 ans et consacré une grande fortune à réunir cette collection. Celle que, dans une semaine, des milliers de chrétiens pieux vont venir admirer. Payer pour admirer. C'est l'usage de donner une contribution pour les indulgences. Comme la confession et la vraie pénitence. Mmh. Oh oui. Les bonnes prières, les bonnes pièces et 1 900 202 ans et 27 jours de moins au purgatoire. Ne mords pas la main qui te nourrit. Notre prince paye pour ta chair dans cette université. Ses reliques payent pour ta chair. Et celui qui paye le musicien décide de la mélodie? Ne l'humilie pas, Martin. Nul n'est plus heureux que lui de ta popularité ici. Il préférerait que tu restes? Maître Cranach, est-ce que Luther pourra être convaincu?
Il semble que non, mon prince. Il est aussi têtu que... Une mule, vous vouliez dire. Je suis conscient du grand honneur que vous me faites, cardinal Cayetan, de me recommander à sa sainteté. Je doute qu'il voit cela comme un honneur dans 20 ans, Leander. Mon premier maître fut le pape Alexandre VI. 3 maîtresses, 5 enfants et une très grande dévotion pour la corrida. Le pape Jules II, il y a un mois, il était le guide spirituel du monde entier. Je lui trouve un air plutôt digne, non ? Mais ce n'est pas ce qu'il voulait. Il voulait qu'on se souvienne de lui comme d'un guerrier en selle sur son cheval, l'épée à la main, assiégeant les Vénitiens. Et vous, que cherchez-vous, Aleander ? Servir Dieu. Le servir de tout mon cœur. Alors c'est comme cela que vous serez tenté. Évêque souverain de Rome, successeur de Saint-Pierre et chef spirituel de l'Église catholique romaine. J'attends depuis longtemps un sauveur pour la chrétienté. Prions pour qu'il arrive. Votre réputation vous précède, Aleander. Je le crains. Le cardinal Cayetan dit que vous êtes un brillant esprit possédant néanmoins un vrai désir de servir. J'ai besoin de tels dons. Excellence. Albert de Brandebourg veut devenir archevêque de Mayence. N'est-il pas déjà archevêque de deux territoires allemands ? Exact. Alors le droit canon lui interdit d'en avoir un troisième. En outre, n'était-il pas trop jeune lorsqu'il a obtenu le premier ? Effectivement. Comme je l'étais moi-même. Cayetan, certainement, vous a informé que j'ai été fait cardinal à l'âge de 13 ans. L'ambition d'Albert peut servir la gloire de Dieu. Les Turcs sont aux portes de Vienne. Les Français sont sur mes talons et Rome est devenue un véritable égout. Avec des chiens et des chats sauvages le jour. Et des brigands et des fornicateurs la nuit. Et cette nouvelle basilique de Saint-Pierre n'est pas qu'un monument à Léander. C'est un symbole de mon intention de restaurer l'Église du Christ. Et Albert va être une bénédiction pour cela. Il offre 10 000 ducats pour Mayence. Mais Albert est au bord de la ruine. Vous êtes bien informé. Les fougueurs vont lui prêter de l'argent. Les banquiers impériaux. Un prêt sur 8 ans. Comment va-t-il les rembourser ? Johann Tetzel. Ne déroulez pas les bannières avant que le feu ne s'allume. Tout a été préparé selon vos ordres. Jean de Jüterbog, vous êtes-vous jamais brûlé la main dans le feu ? Même un seul doigt mis à vif par les flammes peut vous torturer toute la nuit, n'est-ce pas ? Oui, 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 oui.
Imaginez alors. Votre corps entier brûlant. Pas pour une simple nuit, ni pour une semaine, mais pour toute l'éternité. Allons-nous être épargnés des flammes de l'enfer lors du jugement dernier ? Ce soir, votre pape, le vicaire du Christ, vous envoie un cadeau. Un cadeau pour vous sauver de telles flammes. Une indulgence spéciale a été accordée pour la construction de l'église à Rome, où reposent les ossements des apôtres, exposés au vent et à la pluie, désacralisés par les animaux sauvages. Écoutez les mots de votre Saint-Père qui dit « Posez une pierre pour Saint-Pierre, et vous poserez la première pierre de votre salut et de votre bonheur aux cieux. » Comment ? Avec cette indulgence. Quand ? Ce soir. Et seulement ce soir. Cherchez le Seigneur quand il est prêt. Voici votre radeau. Emparez-vous-en. Au ciel, il y a un coffre rempli de grâce et de mérite. Mérite du Seigneur Jésus, de la Vierge Marie et des saints qui, par leur vie exemplaire, ont acquis des grâces pour nous, pauvres pécheurs dans le besoin. Ce soir, ce coffre vous sera ouvert. N'entendez-vous pas les voix, les hurlements de ces voix ? Vos parents défunts, grands-parents, oncles, tantes, criant « mon enfant bien-aimé, grâce à quelques pièces, vous pouvez les sauver de leur punition et de la douleur. » Écoutez, ouvrez vos oreilles. Le Père appelle le Fils. La mère, la fille. Quand une pièce résonne dans le coffre, une âme s'échappe du purgatoire. Homme qui craint Dieu, as-tu une pièce pour le Christ ? Oui. Bonne mère, quand le temps viendra, assure-toi que ton enfant infirme soit recueilli par Jésus. Ces moines instruits sont là pour prendre votre nom ou le nom de votre parent bien-aimé, vivant ou mort, sur ceci. Votre passeport vers la joie céleste du paradis. Non. Marie Baumer. Non. Grete. Non. Dietrich Mutter. Non. Réfléchis à cela. Nous pouvons prêcher jusqu'à n'avoir plus de voix, mais nous ne pouvons apporter de voix. Docteur Martin. Établi par l'archevêque de Mayence. Où as-tu trouvé ça ? Jüterbog. Il le vendait à l'église. Ce n'est que du papier, Anna. Ces mots ne veulent rien dire. Ça ne vaut rien. Tu dois avoir confiance en l'amour de Dieu.
garde ton argent. Pour nourrir Créteux. L'attention d'Albert de Mayence, père en Christ et très illustre prince. Pardonnez-moi d'avoir l'audace de vous écrire. Je fais cela car il est de mon devoir de vous informer et de vous prévenir des pratiques tordues de ceux qui prétendent représenter votre grâce. Le Christ n'a pas prôné l'enseignement des indulgences, mais celui de l'Évangile. Faites parvenir ceci à Rome. Aux chrétiens, on doit apprendre que celui qui donne aux pauvres ou prête aux nécessiteux fait une meilleure action que celui qui achète des indulgences. Si le pape peut vider le purgatoire, pourquoi ne peut-il le faire par amour plutôt que pour de l'argent? Mon Dieu, mais qui est ce Martin Luther? Fritz! Quoi? Docteur Luther veut que tout le monde voit ceci. Et tout le monde le verra. Bonnes gens de Magdebourg, emparez-vous du radeau pendant qu'il en est encore temps. Tant de grâce pour une si petite pièce. On donne l'argent allemand à l'église allemande. Est-ce que Saint-Pierre repose dans une église allemande? Ou Saint-Paul? Ou aucun des saints apôtres? Avec cette indulgence, je peux absoudre tous vos péchés. Je peux même sauver l'âme de l'homme qui viole la mère de Dieu elle-même. Un cinquième du revenu habituel. Comment allez-vous expliquer cela à Rome? Maudit soit cet hérétique. Il brûlera en enfer. Ce petit moine allemand ivre est intoxiqué de lui-même. Dessoulez-le. Pourquoi le prince Frédéric n'a-t-il pas été averti de votre lettre à Albert de Mayence? Pourquoi? Je ne voulais pas le compromettre. Maintenant, notre prince peut jurer devant Dieu qu'il n'avait aucune connaissance de mes écrits, ou de mes critiques de l'archevêque. Critique de l'archevêque? Que fais-tu de tes critiques sur Rome? As-tu la moindre idée à quel point ceci est gênant pour le prince Frédéric? Son professeur émérite de théologie, qui est condamné par le pape. Mes critiques n'étaient pas dirigées contre le pape lui-même, mais contre ces gredins qui prétendent le représenter. Tu as été convoqué à Rome. Tu es menacé d'excommunication. Mais je suis un fidèle fils de l'Église. Je ne crois pas que le pape ait pu envisager cela. Bienvenue dans le monde de la politique, docteur. Martin. Fais profil bas. N'écris pas un mot, à personne, avant que j'aie eu une chance d'arranger tout ceci. Ils ont déjà publié mon explication des 95 thèses. Je l'ai dédiée au pape Léon. Bien sûr, vous avez entendu les rumeurs que le pape m'a convoqué à Augsbourg. Eh bien, c'est vrai. C'est vrai, et je prie avec ferveur qu'il ne trouvera pas de faute en moi. Mais qu'il réfléchira à ceci lorsque je serai parti. Nous sommes obsédés par les reliques, les indulgences, les pèlerinages ou les lieux saints. Pourtant, tout le temps, il y a le Christ. Le Christ, ici. Dans chaque recoin, à chaque heure du jour, il ne se trouve pas dans les eaux des saints, mais ici, dans votre amour les uns pour les autres, dans votre amour pour vos proches, dans ces sacrements, et dans la parole sainte de Dieu. Si nous vivons la parole par la foi
dans l'amour et dans l'obligeance à notre prochain, nous ne devons craindre le jugement d'aucun homme. Martin, la faculté est derrière vous. J'ai écrit une lettre de protestation et je serai le premier à signer si vous étiez arrêté à Augsbourg. Merci, Carlstadt. Merci. Que Dieu soit avec vous. Soyez bénis, soyez bénis. Père, avez-vous des soucis? Que va-t-il se passer maintenant? Franchement, je ne sais pas. Eh bien... Père, merci. Merci, père. Essayez seulement de fermer votre grande gueule. Elle veut vous dire qu'elle prie pour vous tous les soirs. Vous ai-je causé du tort à vous aussi? Je suis ici pour te soutenir. Ils ont interdit le prêche à Tetzel. Il est assigné à résidence à Leipzig. C'est un bon signe, non? Cela veut dire que Rome comprend... Cela veut juste dire qu'il a été trop loin. Martin. Martin, écoute-moi. Le cardinal Cayetan ne t'a pas amené ici pour enseigner les Écritures. Je te prie au nom de Dieu de faire attention. Sois modéré. Ne dis rien. Écoute. Ta vie peut en dépendre. Il vous attend. Je suis Girolamo Aleander, représentant du cardinal Cayetan. Ceci ne prendra pas longtemps, je suis ici pour vous préparer pour ce soir. S'il vous plaît, asseyez-vous. Cela n'a jamais été mon intention de dire quelque chose contre... l'honneur et la dignité de notre Saint-Père. Bien sûr que non, frère Martin. Et c'est pour cela que nous voulons tous la paix. Vous devez juste suivre quelques simples règles de protocole. Quand vous rencontrerez le cardinal, vous vous jetterez à terre face contre terre, et le cardinal vous dira de vous mettre debout et vous vous agenouillerez.
et resterai ainsi jusqu'à la fin de l'audience. Vous comprenez? Oui. Si l'Église cède sur un seul point, je me soumettrai immédiatement. Mais je suis sûr que lorsque le cardinal et le pape comprendront ma position, ils ne trouveront plus de faute en moi. Il y a un malentendu. Il n'y aura pas de discussion. Aucun débat. Vous avez un mot à dire, un seul mot. Revoco. J'abjure. Et l'affaire est entendue. Il y a effectivement un malentendu. Je suis venu à Augsbourg pour prévenir le pape à propos des abus commis envers les fidèles par les prêcheurs d'indulgence. Attention, frère Martin. C'est le pape qui décide de ce qui est bénéfique pour la chrétienté. Ce soir, un seul mot. Revoco. Merci, Excellence. Frère Martin, avec votre permission, je vais demander que l'on vous prépare un bain. Merci, Excellence. Mon fils, je sais que vous désirez être un fidèle serviteur du Christ et de son Église. Je suis ici pour vous aider. Levez-vous, mon fils. Qu'avez-vous à dire? Ai-je commis une erreur? Oui, vous en avez commis une. Laquelle? Afin que j'évite de la répéter. Vous avez enseigné de fausses doctrines. Lequel de mes enseignements est blessant pour Rome? D'abord les indulgences. La bulle du pape Clément Unigenitus stipule clairement que les grâces du Christ sont un trésor d'indulgence. À qui? Je vous demande pardon, votre grâce. Je pense qu'il est écrit « Les grâces du Christ ont acquis un trésor d'indulgence ». Je ne suis pas ici pour débattre avec vous. Non, votre grâce. Mais Unigenitus a été proclamé il y a 175 ans. Et si cette bulle n'était pas si gênante pour notre Église, elle ne serait pas communément appelée extravagante et absente de la majorité des recueils de droit canon. Elle contredit Panormitanus. Notre pape Léon est en accord avec la bulle de Clément. La discussion est terminée. L'honneur de la papauté n'est pas préservé par la simple affirmation de l'autorité papale, mais par la sauvegarde de la crédibilité du pape et le témoignage clair des Saintes Écritures. Le pape interprète les Écritures. Peut-être les interprète-t-il, mais il n'est pas au-dessus d'elles. Il ne devait dire qu'un seul mot. Nous savons tous les deux que le commerce des indulgences ne repose sur aucune des Écritures. Si les gens simples avaient directement accès à la Bible, ils comprendraient à quel point les interprétations de l'Église sont larges. C'est scandaleux! Les Écritures sont beaucoup trop complexes pour que même un prêtre ordinaire puisse les comprendre, encore moins le commun des mortels. Les indulgences sont une tradition établie qui apporte du réconfort à des millions de simples chrétiens. Du réconfort? Votre grâce, je ne suis pas intéressé par le réconfort n'est pas le propos. Alors vous considérez votre inconfort plus important que la survie de la chrétienté? Je suis intéressé par la vérité. La vérité. Les Turcs rassemblent des armées sur nos frontières de l'Est. Nous sommes au bord de la guerre. À l'Ouest, c'est un monde d'âmes qui n'ont jamais entendu la voix du Christ. C'est ça, la vérité. La chrétienté se délite. Et au moment où nous avons le plus besoin d'unité, vous semez la confusion. Mon but n'est pas de me quereller avec le pape ou l'Église, mais de les défendre avec plus qu'une simple opinion. L'Église ne peut pas être dévoyée par la parole de l'homme. Je refuse de discuter avec ce moine. Vous aviez dit que c'était un niais. Il a remis en question l'autorité du pape. Panormitanus. Unigenitus. Ou devrions-nous l'appeler extravagante, comme le reste du monde? C'est un hérétique. Nos ordres sont clairs. Soyez l'abjure.
Vous n'avez pas à me donner de leçons, Alexander. Je sais exactement quels sont nos ordres. Je suis resté calme, j'ai simplement demandé qu'on me montre mes erreurs. Si tu n'abjures pas, tu seras livré à l'Inquisition. Abjureras-tu ? Alors il n'y a qu'une façon de te sauver la vie. À genoux. À genoux ! Martin Luther, au nom du Christ, je te délivre de tes vœux à l'ordre des Augustins et te recommande à la miséricorde de Dieu. Non, ne fais pas ça, père. Je ne suis plus ton père. Tu comprends ? Si j'étais ton père, alors le droit canon m'obligerait à te livrer aux autorités. Mais je resterai ton père spirituel. Jusqu'au jour de ma mort. Va maintenant. Dépêche-toi. Il y a un cheval à la grille des communs. Ne me laissez pas seul, père. S'il vous plaît, père. Mon prince, que dois-je répondre? Le cardinal demande que Luther soit livré à Rome ou banni de Saxe. Oui, mais avez-vous lu les écrits de Luther? Oui, sans exception. Oui, c'est un moine brillant, n'est-ce pas? Avec un esprit indépendant. Oui, effectivement. Spalatin, tu étais en droit avec lui, n'est-ce pas? Et était-il à l'époque du genre à se soumettre à des influences, hein? Non. Après tout, tout ce qu'il a fait est de débattre avec éloquence sur un sujet très intéressant. Et dans le fond, c'est tout ce qu'on peut demander à un brillant professeur d'université. Alors, que dit-on au cardinal? Oui. Rien. Monseigneur, nous devons répondre. Spalatin, il y a deux façons de dire non à quelqu'un que tu imagines plus fort que toi-même. La première est de ne rien dire et de continuer tranquillement à faire ce que tu faisais avant, en feignant de n'avoir jamais entendu. Que le temps et l'inertie soient tes alliés. Et la seconde ? Et la seconde est de dire non d'une manière si gentil et si aimable qu'ils sont tous surpris. Et alors, naturellement, si ces deux stratégies échouent, il n'y a rien d'autre à faire que de se soumettre ou de se battre. Et bien sûr, si tu décides de te battre, tu dois aussi décider de gagner. Non, je ne vais pas envoyer mon moine à Rome. Ils le tueront par eux. Et c'est très agaçant. Qui sont-ils pour priver mon université d'un esprit si brillant? Notre moignon allemand continue à nous traîner dans la boue. Il y a une nouvelle caricature qui circule. Il vous représente sous les traits d'un cul qui joue de la harpe. L'important, votre sainteté, c'est qu'il n'écrit pas en latin. Luther écrit en allemand. C'est son épée. Alors il ne joue pas en gentilhomme. Tous les Allemands peuvent citer ses écrits. Si nous attendons, il sera peut-être trop tard. Vous exagérez son importance. D'ailleurs, Cayetan, vous m'avez dit vous-même être d'accord avec sa liste des abus. Et certaines de ses préoccupations existent depuis longtemps pour ceux qui aiment l'Église, oui. J'imagine que votre petit moine ne serait pas intéressé par un habit de cardinal. Je pense qu'il aurait honte de le porter, votre sainteté. Nous devons faire pression sur le prince Frédéric, Excellence. Alexander a raison. Frédéric est notre clé vers Luther. L'Allemagne est au bord du chaos et nous ne voulons pas une église divisée. Cela me fatigue que vous ne compreniez pas les vrais enjeux. C'est pourquoi j'ai envoyé Karl von Miltitz en Allemagne à votre place.
Monseigneur. Je vous apporte les salutations de notre très Saint-Père. Et je suis moi-même très honoré de vous rencontrer car toute la chrétienté connaît votre dévotion sans faille à la foi. Je vous apporte un cadeau de notre très Saint-Père. Pour exprimer sa grande estime pour votre seigneurie, Monseigneur. Car, comme vous le savez, cette rose sacrée est bénie chaque année par le pape Léon lui-même et envoyée à seulement un prince. En reconnaissance de son héroïque et loyale dévotion envers la Sainte Église du Christ. C'est pas latin. Je suis désolé de vous retenir si tard, mais c'est une affaire extrêmement urgente. Tout d'abord, donnez à Miltitz 600 ducats, en signe de notre gratitude. Monseigneur, la rose ne vaut vraiment pas ça. C'est bien. Et dites-lui ensuite que nous ne livrerons pas Luther à Rome. Et donnez cette rose. Mettez-la avec les reliques. Et pendant que vous y êtes, déplacez toutes les reliques. Quelque part, où je ne les verrai pas. Je ne veux même pas savoir où elles sont. Allez, allez, allez. Quand j'étais un enfant, je pensais comme un enfant. J'étais un enfant, je m'amusais comme un enfant. Et aujourd'hui, grâce aux adultes, j'ai rejoint le monde des adultes. Et je suis stupéfait par la facilité avec laquelle il pensait me corrompre de moi. Y a-t-il de si important pour nous interrompre? Le prince Frédéric de Saxe. Il refuse de vous livrer Luther, votre sainteté. Dressez-vous, Monseigneur, et jugez votre cause. Un sanglier sauvage a envahi votre vignoble. Nous ne pouvons plus tolérer que le serpent se glisse dans le champ du Seigneur. Les livres de Martin Luther seront examinés puis brûlés. Quiconque enfreindra notre excommunication et notre anathème sera soumis à la colère de Dieu Tout-Puissant et des apôtres Pierre et Paul. Amen. Vous pouvez brûler ces livres, vous ne pouvez pas ces idées. Martin Luther a raison. Pas d'inquisition en Allemagne. Brûlez vos propres livres. Les œuvres de Martin Luther seront effacées de la mémoire de l'homme! Martin Luther dit la vérité! Allumez le feu! Trouvez quelqu'un d'autre pour le faire!
Voici ce que Rome appelle une bulle papale, un édit du pape lui-même. Il n'y a qu'une chose à faire avec ce tourbillon d'air. Oui, nourrissez le feu! Nourrissez le feu avec le droit canon! Nourrissez le feu avec tous les mensonges! Nourrissons-le! Rome, c'est ça! Nourrissez-le! Nourrissons le feu! Attisez le feu! Nourrissez-le! C'est ça! Apportez encore nourrissons le feu! Mon empereur! Mon bon oncle. Permettez-moi de vous présenter mes félicitations pour votre élévation à l'Empire. Je suis venu vous parler de Martin Luther. Notre Saint-Père a envoyé son nouveau cardinal pour nous informer de la situation. Non, vous voulez dire que vous êtes venu depuis Rome avec pour seul objet de nous aviser de cette petite affaire? L'hérésie n'est jamais une petite affaire, Monseigneur. Votre Altesse, si je peux avoir votre oreille un instant... Si votre affaire concerne Martin Luther... Mon affaire est la Saxe, monsieur, et je souhaite avoir une courte audience avec mon empereur. Livrer Luther à Rome. Je ne peux pas, il est mon sujet. C'est mon devoir de veiller à ce qu'il ait un procès équitable. Aleander m'a donné sa parole que l'Inquisition donnera un vrai procès à Luther. Oh, l'Inquisition de Rome ne fait pas de procès, monseigneur. Elle délivre des condamnations à mort. Et toute l'Allemagne prie que vous la défendiez. L'hérétique doit être jugé. Votre bien-aimé grand-père Maximilien nous a dit qu'aucun sujet allemand ne serait jamais condamné sans un juste procès dans son propre pays. Alors nous l'entendrons en Allemagne. À Worms. Worms représente une longue route depuis Wittenberg, monseigneur. Et le pape lui-même a mis à prix la tête de Luther. Ces espions sont partout, au mépris de mon humble souveraineté. Et donc, sire, au mépris de votre souveraineté. Alors je m'assurerai que Martin Luther arrive en toute sécurité à son juste procès. J'enverrai moi-même une garde impériale pour l'escorter. Ah. Sur cela, vous avez ma parole. Oh, pas. Je ne suis pas un saint. Bénissez-moi, mon père. Bénissez-moi, mon père. Je pensais que vous m'aviez abandonné. Je pensais que j'étais à nouveau seul au monde. Du calme, Martin. Un écart et vous épargnez un procès à l'empereur. Je suis ici pour te servir. Je suis nerveux, j'ai si peur. Martin, j'espérais que tu aiderais l'Église à se réformer, pas à la détruire. Avec tous ses péchés, l'Église est toujours l'Église. Que devient un enfant sans sa famille? Comment les gens vont-ils faire, livrés à eux-mêmes, vulnérables, effrayés? Toute ma vie, j'ai vu un monde qui déteste plus le mal qu'il n'aime le bien. Je te demande
de regarder vers le bien, Martin. Tu es en train de déchirer le monde. Le jour où vous m'avez si bravement envoyé changer le monde, pensiez-vous vraiment que cela n'aurait pas un prix ? Vous, Martin Luther, reconnaissez-vous ces livres ? Les 95 thèses, un sermon sur les indulgences et les grâces. La captivité de Babylone, la liberté d'un chrétien. Adresse à la noblesse chrétienne de la nation allemande. En êtes-vous l'auteur ? Oui, de tous. Ces livres contiennent des hérésies contre notre Sainte Église. Reniez-vous ce que vous avez écrit. Dieu, faites qu'il donne la bonne réponse. Plus fort. Puis-je avoir du temps pour réfléchir ? Vous avez eu le temps. Et vous auriez dû vous préparer à répondre. Je voudrais répondre de façon satisfaisante, sans offenser la parole divine, ni mettre en danger mon âme. N'importe lequel d'entre nous peut être convoqué pour témoigner, sans crainte et sans équivoque à tout moment. D'autant plus dans votre cas, un célèbre et expérimenté professeur de théologie. On vous accorde un jour. Demain, vous devrez répondre. Maudit sois-tu. Retourne en enfer. Maudit, maudit. Retourne en enfer. Maudit sois-tu. Tais-toi, tais-toi. 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 Je sens ton souffle fétide dans ma nuit. Heureux diable, es-tu de me voir muet. Tremblant comme un animal à l'abattoir. Où es-tu ? Où est sa foi maintenant ? Où est sa foi maintenant ? Où est sa vantardise ? Où est sa vantardise ? Parlez bien, docteur. Bonne chance, Martin. Il faut bonne chance. Croiser. Silence dans la salle. Silence. Faites silence. Martin Luther, êtes-vous l'auteur de ces écrits ? Je le suis. Reniez-vous ce que vous avez écrit ? Je ne peux renoncer à tous mes travaux car ils ne sont pas tous pareils. D'abord, il y a ces livres dans lesquels j'ai décrit la foi chrétienne et la vie, si simplement que même mes détracteurs ont admis que ces travaux étaient utiles. Renier ses écrits serait impensable,
Ce serait renier des vérités chrétiennes acceptées. Il n'est pas là pour faire des discours. Simplement pour répondre. La deuxième partie de mon travail est dirigée contre l'infâme doctrine et les mauvaises vies menées par les papes, passés et présents. Non ! Oui 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 ! À travers les lois du pape et les doctrines des hommes, les consciences des croyants ont été lamentablement écorchées et trompées. Si je désavoue ces livres, je ne ferai rien d'autre qu'ajouter de la puissance à la tyrannie et ouvrir non seulement les fenêtres, mais aussi la porte à cette grande impiété. Il s'est condamné lui-même. Dans la troisième partie, j'ai écrit contre les personnes privées et les individus qui soutiennent la tyrannie de Rome et ont sapé mes efforts pour encourager la piété envers le Christ. Je confesse que j'ai écrit trop sévèrement. Je ne suis qu'un homme et peux me tromper. Je demande que mes erreurs soient prouvées par les Écritures. Et je renierai mon travail et jetterai mes livres au feu. Vous n'avez pas répondu à la question. Vous, Martin Luther, vous n'allez pas semer le doute sur des enseignements déjà jugés par l'Église catholique. Des enseignements passés dans les usages, dans les rites et les observances. La foi que le Christ, le plus parfait des législateurs, a édictée. La foi que les martyrs ont fortifiée avec leur sang. Vous revenez en vain sur des arguments auxquels votre condition vous oblige de croire. Alors donnez votre réponse. Oui ou non. Reniez-vous ou ne reniez-vous pas ? Puisque Votre Majesté et mes nobles seigneurs électeurs désiraient une réponse, je vais répondre. À moins d'être convaincu par les Écritures et par la simple raison, pas par les papes et les conciles qui se sont eux-mêmes si souvent contredits. Ma conscience est la captive de la parole de Dieu. Aller contre ma conscience n'est ni bon ni honnête. Je ne peux ni ne veut renier. Me voici. Je n'ai pas d'autre choix. Que Dieu me soit en aide. Oui, c'est un véritier. Silence! Nous sommes avec toi, Martin. Ils vont le brûler. Silence! Silence! Mais c'est pas si simple, j'ai entendu des absurdités. Silence! On croit que le juge est activement. Non, ne démordrez pas. Je descends d'une lignée d'empereurs du Saint-Empire romain. Il ne va pas faire de moi un hérétique. Il s'est condamné lui-même, Excellence. Il doit être arrêté avant de contaminer toute l'Allemagne. Et... Monseigneur, vous avez dit à Luther que vous lui accordiez un sauf-conduit. Luther n'est pas un homme, mais un démon.
vêtu en homme d'église pour mieux nous tromper. Martin Luther est votre sujet. Qu'en dites-vous ? Il est trop audacieux pour moi, Monseigneur. Même si cela ne semble pas vrai pour tout le monde. Si quelque chose lui arrive pendant son retour, ainsi soit-il. Merci, Docteur Luther. Luther, descends et ton compagnon sera épargné. Je suis Luther. Non, Ulrich. Je suis Luther. Spalatin. Désolé pour le rude voyage. Le prince Frédéric voulait t'attraper avant que d'autres ne le fassent. Ils ont peut-être assassiné Luther, mais ils n'arrêteront pas ce que nous avons commencé. La guerre sainte vient de débuter. Tout homme qui se dit maître des autres, quel que soit son rang, qu'il soit prince, pape, prêtre ou professeur, doit se repentir. Se repentir ou être éliminé. Vous m'appelez professeur Karlstadt. C'est fini! À partir d'aujourd'hui, je serai frère Andreas. Oui. Et vous tous également. Préparez-vous pour le grand renouveau! Tu ne feras point d'images taillées, de vaines statues. Apprends à mépriser les breloques et les prétentions. Oui. Oui. Dressez-vous avec les justes ou soyez éliminés avec les autres. Il n'y a pas de moyen terme. Martin n'aurait jamais fustigé un élève pour avoir porté le crucifix. Je connais Martin Luther. Je l'ai découvert.
Il a dit réforme. Tu veux la révolte? Si tu n'as pas le courage de finir ce que nous avons commencé, alors écarte-toi. Pourquoi m'habilles-tu par énigme? Attention, ou toi aussi tu seras éliminé, Mélenchon. Quoi? C'est notre pense au futur. C'est ce qu'il faut faire. J'ai demandé un nouveau testament grec. J'ai besoin de livres corrects, pas de ces bêtises. Et un dictionnaire grec-allemand. Laissez-nous. Et un dictionnaire grec-latin. Ce n'est pas le moment, Martin. L'empereur va me faire brûler, de toute façon. Il va tous nous brûler. Ceci est une trahison. D'avoir le Nouveau Testament en allemand, dans une langue que les gens simples peuvent comprendre? Oui. C'est la chose que Rome craint le plus. Eh bien, c'est l'auteur qu'il faut accuser. Nos enfants sont affamés. Vous nous affamez. Supprimez les indulgences. Aval clergé. Bande de papistes. Nous devons envoyer des soldats. Et faire couler plus de sang. Si Wittenberg ne pouvait pas résoudre elle-même ses conflits religieux, le reste du monde ne serait pas très impressionné. Envoyez-moi Luther. Comment va le travail? Difficile. Les mots sont comme les enfants. Plus vous leur donnez de l'attention, plus ils en demandent. Comme les femmes. Ça, je ne sais pas. Écoute ce verset de Saint Luc. C'est la volonté du Seigneur que rien ne soit perdu. Dans notre langage, le mot volonté signifie la puissance, la volonté, faire plier quelqu'un selon son désir. Mais dans le texte grec, ce mot de trois lettres dénote la passion, le feu, les organes internes. Ça peut vouloir dire aimer, désir, même désir sexuel. Mange ta bouillie. Tu écoutes même pas. D'ailleurs, cette bouillie ne vaut rien pour ma digestion. Non, ce n'est pas le mot qui est important. Mais ce qu'il dit sur Dieu. Tu es beaucoup trop seul ici. Tu es beaucoup trop seul ici. Mon bon Spalatin, deux semaines que tu n'es pas venu. Bien sûr, je suis trop seul. Comment puis-je écrire pour notre peuple alors que je ne vis pas avec lui? La langue de la Bible devrait être comme une mère parlant à ses enfants. Eh bien, c'est décidé. Martin Luther ne doit pas quitter cette pièce. Ah. Mais le chevalier Georges peut. Il est temps que tu vois par toi-même, Martin. Pourquoi? Pourquoi ont-ils été pendus? Sans raison. Ils étaient juste au mauvais endroit. Ils sont mis sur le chemin de paysans qui pillaient un monastère. Ah, le monde tourne à l'envers depuis ce fou de Luther. Lui dit que chaque chrétien a le droit de prendre ce qu'il veut par la force. Enfin, Luther est parti. Mais ces maudites idées ont mis le feu à la terre entière. Bientôt, ce pays va être embrasé. Prenez les soldats en romaine ou elles seront brûlées sur vous. Au bûcher! Videz l'église! Encore un! Jetez ces chiffons de Dieu en enfer! À terre! À terre avec les autres!
chasubles et vos toges romaines, ou elles seront brûlées sur vous. Lâche ! Lâche ! Bande de lâches ! Comment osez-vous ? Vous vous appelez chrétien ? Chrétien ! Vous ! Qu'est-ce que vous attendez ? Éteignez ce feu ! Courez ! Saut, pelle, courez ! Martin ! Quand un membre est gangréné, il faut l'amputer, tu le sais aussi bien que moi ! Va-t'en ! Tout ceci est pour toi ! Laisse-le brûler ! Sors de Wittenberg avant que je ne te chasse ! Chassé ? Je t'ai défendu ! Je t'ai soutenu ! J'ai continué comme tu l'aurais fait ! Tu crois que ceci est mon œuvre ? Ceci ne sera jamais mon œuvre ! Non, c'est l'œuvre du peuple ! L'œuvre du peuple ! C'est l'œuvre du peuple ! Ah ! L'œuvre du peuple ! C'est pas latin ! Es-tu là ? Ah ! Comment est-il ? Luther est découragé, monseigneur. Perdu. Il a l'impression que les paysans ont déformé ses propos. Et va-t-il les rejoindre ? Il déteste la violence. Est-il d'accord avec leurs revendications ? C'est difficile d'être contre la suppression de taxes qui accablent les pauvres gens ou le purgatoire qui fait d'eux des esclaves toute leur vie. Tu sais, il suffit que Luther lève le petit doigt et tous les paysans d'Allemagne se rallieront à lui. Peut-être. Luther est un théologien, monseigneur. Oh. Il se bat, mais avec sa langue ou sa plume. Il ne brandira pas l'épée. Finalement, j'ai déchiré le monde en deux. J'ai pressé les princes d'agir. Et de quelle façon ils ont répondu à mon appel? J'ai dit que ces rebelles étaient en dehors de la loi de Dieu. Que rien sur Terre n'était plus venimeux, dangereux et diabolique qu'un rebelle. Qu'il devait être arrêté par tous les moyens possibles. Et pourtant, le sang qu'ils ont fait couler n'est rien par rapport au massacre que j'ai engendré. Monsieur, n'entrez pas. C'est fini. Oui. C'est fini. Combien ? Personne ne sait encore. Combien ? Certains disent 50 000. D'autres 100 000. 100 000 ? Paysans morts. Il y avait des chevaliers parmi eux. C'est une peste, Spalata. Une boucherie. Fais attention, Martin. Tu auras besoin de ces bouchers. Thank you.
Nous cherchons le docteur Luther. S'il vous plaît, les sœurs et moi, nous nous sommes échappés il y a 3 jours du couvent de Nimshen. Et vous êtes venu ici? Parce que c'est ici que vit le docteur Luther. Nous étions cachés dans ces tonneaux de harengs, monsieur. Nous étions 2 nuits dans une carriole à ciel ouvert, sans repos, sans manger, sans dormir. Alors si vous pouviez juste me dire... Je suis Luther. Katharina von Bora. Martin Luther. Mais vous le savez déjà. Je vais vous amener à un refuge. Qui est là ? Seigneur. Eh bien, enfin nous nous rencontrons. Je vous ai dédié ce travail, Monseigneur, la traduction du Nouveau Testament dans notre propre langue. En allemand ? Mais cela va nous séparer de Rome. À jamais. J'ai toujours voulu l'unité des chrétiens, mais pas au prix de la servitude. Je réponds à la loi de Dieu, pas à celle de Rome. La loi de Rome est la réalité. Je crois que la réalité est le Christ. Oh, sans aucun compromis. Aucun. Ah. Vous réalisez bien sûr que ceci sera perçu comme un acte de pure provocation. Et qu'ils ne vont pas hésiter à riposter. Oui, je sais. Alors, si vous savez tout cela, pourrais-je voir mon présent maintenant ? Oui, bien sûr. Merci. Prends mon cœur. Ulrich, s'il te plaît, reste. Épouse une de ces charmantes jeunes femmes. Je sais qu'il en reste au moins une. J'apporte la parole de Dieu à mon pays. Non, ce n'est pas le bon moment. Aucun prince ne te protégera là-bas. Je veux que les Flamands connaissent ce que j'ai ressenti quand j'ai lu sa parole pour la première fois. Alors que Dieu soit avec toi. Et avec toi, Martin. Vous êtes parti si vite. J'ai eu peur que ce soit ma chanson. Si c'était ça. Regardez-le. Il court vers son destin pressé comme un futur marié. Tous les futurs mariés n'ont pas le pied si léger. Je ne trouve pas que les célibataires de Wittenberg aient tardé. Vrai. Toutes les autres religieuses ont trouvé. Et vous avez si clairement dit que le mariage était un état honorable. Tous les autres au moins. Je vois pourquoi vous les effrayez. Mon malheur est que c'est vous que j'effraie. Je sais que vous m'aimez bien, docteur. Je sens votre cœur quand nous jouons de la musique ensemble. Mais quand la musique s'arrête, vous fuyez. J'ai du sang sur les mains, Cathy. Je divise les gens. Des milliers sont morts à cause de moi. La plupart du temps, je suis découragé, je ne sors pas de mon lit. Les gens veulent faire de moi une étoile fixe. Ce n'est pas moi. Je suis une planète errante,
Personne ne devrait me prendre pour guide. Je peux vous promettre deux choses. Nous ferons de la musique joyeuse ensemble. Et aussi, pour vous atteindre, vos ennemis devront passer sur mon corps. En retour, je ne demande qu'une chose. Que vous n'en ameniez aucun dans notre lit d'époux. Ni paysan, ni prince, ni pape. À moins qu'il ne soit le dieu de l'amour. Pour de Dieu, trouver des cierges neufs. Il ne reste rien à part quelques... Tout de suite! Et voilà comment Léon a rebâti Rome. Ruiné. 800 000 ducats de dette. S'il avait vécu, il aurait vendu le Vatican. Mais comme pape, il aurait pu changer le monde. Il aurait pu réformer l'Église, au lieu de la reconstruire. Léon était un nain spirituel alors que nous avons besoin d'un géant comme Luther. Eh bien, Luther se marie. Avec une religieuse en fuite. Il n'oserait pas. Que dirais-tu si je te disais qu'Albert de Mayence nous a envoyé un cadeau de mariage? Je te dirais de le renvoyer. Alors tant mieux qu'il n'ait rien envoyé, sinon nous aurions notre première dispute. Martin! 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 Ils vont brûler Ulrich. Ils l'ont arrêté à la frontière. L'empereur convoque nos princes à Augsbourg. Pourquoi? Pour finir ce qu'il a commencé avant. Tu ne dois pas y aller. Ils vont te rôtir comme un cochon de lait. Si tu meurs, tout ce que tu défends mourra avec toi. Que diras-tu? Que diras-tu? Comment vas-tu les faire? Je ne sais pas. Eh bien moi, j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir. Cathy, d'abord ils ont voulu que je renie. Maintenant, ils veulent que la moitié de l'Europe se mette à genoux. Nous devons nous battre. Laisse quelqu'un d'autre se battre. Laisse quelqu'un d'autre se faire rôtir comme un porc. Tout ce que je veux, c'est Luther. Brisez les princes et vous brisez Luther. Leur tactique sera de retarder, de s'acharner sur les détails. Les cantiques de Luther? Ils le feront. Vous devez garder l'ordre du jour clair, Majesté. Ils doivent accepter qu'il n'y ait qu'une seule Église. Cette peste se répand, Aleander. J'aurais dû le brûler. Mes princes, frères en Christ, il n'est plus temps d'être prudent, mais courageux. Charles n'est plus le jeune effarouché que vous avez vu à Worms, docteur Luther. Il a fait plier la France et ravager Rome. Seuls les Turcs demeurent une menace pour lui. En un mot, il a le temps et toutes les ressources du monde pour nous réduire en poudre, morceau par morceau, état par état. Et je crois qu'il ira jusqu'au bout. Mes seigneurs, le silence ne nous sauvera pas. Si nous défions Charles,
Y aura-t-il une guerre? L'horreur d'un autre sang versé? Honnêtement, je n'en sais rien. J'ai mis de côté toutes mes anciennes certitudes. Mais réfléchissez. L'empereur nous invite pour présenter nos croyances, pour exposer ce que nous défendons. Satan nous invite à prêcher en enfer. S'agit-il d'un piège? Ou de notre plus belle opportunité jusqu'à maintenant? Et souvenez-vous que, comme je ne peux pas venir avec vous à Augsbourg, vous ferez face à la fureur de Charles seul. Votre choix est simple. Si vous cédez, mes seigneurs, la comète brillante qu'est notre foi sera brisée et réduite à quelques lumières isolées, vacillantes dans un monde obscur. Pourquoi le père court pour retrouver le fils prodigue? Les propriétaires ne courent pas. Les nobles ne courent pas. Les princes ne courent pas. Alors pourquoi ce père, riche propriétaire, court-il? C'est parce qu'il a peur. Il a tellement peur que son fils retourne vers la ferme à cochons. Il court car il aime son fils. Et il y a un mot spécial pour eux. Cet amour. Compassion. Compassion. Et vous savez ce que veut dire ce mot? Martin, c'est simplement la cloche d'une église qui sonne l'Angélus. Continue l'histoire. Prince bien-aimé de l'Empire, je serai bref et direct. Vos pasteurs ne pourront plus prêcher. Et vous allez interdire ces bibles en langue vulgaire et déclarer tous ceux qui en possèdent ennemis de l'État. Nous n'empêcherons pas nos pasteurs de prêcher la parole, ici ou ailleurs. Ne cédez. Nous n'interdirons pas la nouvelle Bible, monseigneur. En signe de votre loyauté envers moi, demain vous marcherez à mes côtés pour la procession de Corpus Christi jusqu'à la cathédrale et prierez chacun d'entre vous, à la façon de Rome. Nous ne le ferons pas, monseigneur. Vous le ferez! Où vous connaîtrez mon épée? Avant de laisser quiconque m'enlever la parole de Dieu et me demander de renier mes croyances, je me mettrai à genoux et le laisserai me couper la tête. Votre Excellence, nous avons rédigé une profession de foi que je crois vous ne saurez nous reprocher. Ah !
Je suis si heureux d'être aimé de toi, Katharina von Bora. Martin ! Martin ! Nous avons réussi, Martin ! Nous avons réussi ! L'empereur nous a permis de lire notre profession de foi ! Les princes lui ont tenu tête ! Il a dû écouter ! Ils ne peuvent plus nous arrêter, Martin ! Ce qui se passa à Augsbourg a ouvert la porte de la liberté religieuse. Martin Luther vécut encore 16 ans, prêchant et enseignant la parole. Martin et Katharina eurent 6 enfants et un heureux mariage. L'influence de Luther s'est étendue vers l'économie, la politique, l'éducation et la musique. Et sa traduction de la Bible devint une pierre fondatrice pour la langue allemande. Aujourd'hui, 540 millions de personnes prient dans les églises inspirées par la réforme.